Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le vendredi 28 juin. Voici les titres de l'actualité. Le record de température est battu. Il a fait car nous suffoquons, nous recherchons la fraîcheur par tous les moyens. Eh bien, figurez-vous qu'elle peut venir de vos matelas ou même de vos vêtements. Se couvrir pour avoir moins chaud. Étrange paradoxe. Cela tient à des procédés ou des textiles innovants. Reportage Adrien Quintard, Thierry Maurer et Jessica Martinez. Qui dit canicule dit aussi nuit difficile. Alors en apprenant la hausse des températures cette semaine, Virginie a équipé son lit d'un surmatelas rafraîchissant. Oh, ça fait du bien. On le sent d'abord direct aux jambes, aux pieds, ça fait super du bien, quoi. Et après je le sens dans le reste du corps. Il y a une machine qu'on alimente en eau et qui va maintenir en fait la température qu'on lui demande. Moi je l'ai mis très bas, c'est-à-dire que je l'ai mis à 18 degrés. Une fraîcheur qui a un coût, 349 € pour ce modèle de surmatelas et 35 € l'unité pour ses oreillers portatifs. Un coussin rempli de mousse et quand on le remplit en fait, ça absorbe la chaleur et ça permet de s'endormir plus rapidement. Ça fait du bien. Si le sommeil n'a pas de prix, le bien-être en journée non plus.